Nouveau vlog, alors j'ai la même robe que dans le dernier vlog parce que nous sommes le lendemain, au moment où vous voyez ce vlog. Donc là en fait nous partons 3 jours du côté de Royan, la Palmyre. Mais quand vous verrez ce vlog, nous serons déjà rentrés parce que je peux pas faire moi les montages, j'emmène pas mon ordinateur, vous voyez le programme. On doit aller à l'aéroport, à Orly, chercher un de ses enfants qui arrive pour partir sur Royan. Donc on a un sacré périple, mais c'est pas tout. Le plus drôle, c'est que je suis vraiment pas bien depuis ce matin. J'ai des spasmes, j'ai des crampes. C'est formidable, le jour de partir, c'est bien. Et heureusement, parce qu'en fait, pour que vous compreniez un petit peu la situation, on va rejoindre les enfants d'Eric, il y aura de la famille d'Eric. Donc ils vont être peut-être... Ils ont loué, comme chaque année, je crois, une maison. Une grande maison. Et je crois qu'ils sont entre genre 12 et presque 20. Mais nous, on a réservé un hôtel. Et heureusement, parce que quand t'es comme ça, vaut mieux avoir tes petits quartiers personnels. J'espère que je vais tenir. Là, il est 11h30. Avec Eric, on s'est dit qu'on partait un peu plus tôt déjà pour aller chercher de l'essence et surtout pour aller prendre du coca, parce que le coca, c'est quand même formidable quand on n'est pas bien. Voilà, on part pour midi. Je crois qu'il atterrit. Je crois qu'il atterrit vers 14h quelque chose, 14h moins 10. Et après, bah, je pense qu'on a pour 4 heures encore. Donc en fait, là, on doit avoir pour 2 heures et quelques le temps d'aller à Paris. Et après, on doit avoir pour 4 ou 5 heures. Un truc comme ça. Je déteste. Pour savoir s'il est... Vas-y, appelle-le. C'est un peu galère. Donc, on est arrivé. Ça a bien changé Orly, en fait. Il est censé avoir atterri il y a 30 minutes. Vous vous demandez comment je vais. Ça va. J'ai bu plein de coca, donc c'était peut-être un petit épisode de stress. Ah oui, on est sur une aire d'autoroute, c'est la folie, mais vraiment, il est 4h30, on est dans des embouteillages depuis qu'on a quitté l'aéroport, tout simplement, c'est-à-dire ça fait 4h, ça n'avance pas, en plus, bon bref, il reste au moins 5h de route. Ben, en fait, on va faire combien? On va faire 10h de route, et puis la voiture d'Eric, en plus, sa clim est au mental. On est parti avec sa voiture, tu vois, n'importe quoi. Alors c'est pas le monsieur qui est là. Ouais. Non, monsieur, c'est le monsieur qui bouge ses jambes, se dégourdit les pieds. Voyez, ça c'est Eric. Ça c'est pas Eric, ça c'est Eric. Attention, si je fais coucou, c'est bon, on nous a identifié. Les amis, j'en ai ras le bol, on a encore fait une pause. C'est Pékin Express, le truc qu'on va juste à Royan, je suis dans les toilettes. Hein. Ça fait 9h que nous roulons, c'est toujours autant le merdier. Mais vraiment! Après 10 heures de route, nous sommes arrivés à Gémozac. Petit village à côté de ce que je vous ai dit, Sainte. Tout petit, tout net. On n'en peut plus. Donc il est 21h30, oui. C'est magnifique. Ouais, on prend les affaires, puis après, donc là, on pose les affaires à l'hôtel, et après, ben, on va là où je vous ai dit, dans la maison où tout le monde est. C'est grand quand même, hein, comme chambre. Je vous ai pas montré le hall parce que je parlais avec monsieur, mais la chambre, ah, il y a même là, comme c'est un petit village, je me suis dit, bon, il n'y avait pas beaucoup de choix dans les hôtels. C'est super grand. Ouais. Toilette séparée. Ah, cool, ça, c'est bien. Alors, tu rentres. Vous voyez, le lit est super. La pièce pour une chambre d'hôtel est très grande. Hein, voilà. Toi, t'as vu la salle de bain, elle est bien? Regarde la douche. Petit bureau. Dis-moi ce que tu penses de la douche. D'accord. Réponds. D'accord, vasque. Ah oui! Et c'est vrai que c'est bien, déjà quand tu vois que les toilettes sont séparées. Parce que là, vraiment, l'autre bout. Les finitions, tout est propre. Nickel. Franchement, là, pour l'instant. Je me rafraîchis, puis après, on s'en va. Ok, ça te va? Alors, est-ce que ça t'ennuie si tu fermes tout? Non, je ferme tout. Et que je rejoins le staff? Ok, ça marche, bien sûr, bien sûr. Je vais repoudrer vite fait, hein, parce que là, la brillance... Oh, je suis agréablement surprise. Hein. Très, très chouette hôtel. Le Lion d'Or, l'hôtel à Gémozac. Cette place, super jolie. Et ouais, là, il n'y a pas grand monde. Je trouve qu'au niveau de l'architecture, c'est là que ça dépayse bien. Il n'y a pas d'entrée? Bah non. Forcément une entrée. Là, il y a une entrée. Ah, c'est là, ils ont carrément loué ça. Ah ouais. Ah si. Si. Bah, je te dis que si. On va se garer comme ça. Allez. On
Ambiance. Ambiance, allez, on est parti. Le fils d'Eric, lui, il dort là. J'arrive pas à lire les numéros. Non, mais c'est pas là, ouais. C'est chez quelqu'un là. Laisse tomber. Je crois qu'elle m'avait dit qu'il y avait un donjon. C'est sympa, hein, en vrai, c'est je sais pas, mais. Ah oui, oui. Ah, mais tu te ressources là. En plus, ça sent bon, c'est. Enfin, ça sent bon. C'est frais. Tu sens pas cette pollution ambiante dans les grandes villes là, de pots d'échappement. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, 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 je te dis que c'est là. Non? Oh, putain, mais je ne sais pas. Ah si, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Oh, on a des invités. Ouh. Oh putain. Ah, il le savait vraiment pas, hein. Ah, c'est cool. Au dernier moment, on l'a fait. Papa, une bière? Oui. Oh. Caro, un whisky? Non, merci. Ah ouais, je sais plus, ça va me flinguer. Je l'ai acheté pour toi quand même. Waouh. Bonjour. Bon, on va aller au petit-déj. Il doit être 9h. On est rentré hier, il était... Mais il devait être minuit, je crois. Et avec la route... On était cassé. J'ai hâte de découvrir tout ça. Look du jour, jean, basket. Et la tenue, alors je sais pas trop, hein, au niveau du temps, j'ai ouvert les volets. Ça a l'air de faire frais quand même. Tapis rouge, bébé. Chambre 2. Les tasses légères, le jus de fruits, voilà, vous avez tout à disposition. Et bah c'est super. Vous pouvez vous installer dans la salle ici ou à l'extérieur sur les tables qui ne sont pas dressées. Ah d'accord, il y a également un petit coin extérieur. Oui, tout à fait. Et bah c'est formidable, merci. Voilà. Regarde, petit producteur maison, miel royal. Le coin extérieur est super mignon. Pas mal, non? C'est très bien. C'était délicieux ce petit. Je regardais, je ne vous ai pas montré en fait. Ça aussi, c'est pas mal. D'avoir déjà ses cheveux et les tiroirs comme ça, avec les serviettes. Je trouve que c'est très pro. Bonjour. Cet après-midi, donc on retourne. En fait, on est là vraiment. Pour être avec eux, donc cet après-midi c'est probable qu'on aille là-bas. Je pense que la journée ils font un peu des jeux, genre de trucs. La mer, je crois qu'elle est à 30 km, j'aurais bien aimé faire un petit tour, on verra. Mais le temps, putain, au moment où on déjeune, il commence à pleuvoir, donc c'est pas gagné. De retour au moulin. C'est différent ce matin. Toujours aussi calme et agréable. Le moulin. Je vous fais la petite visite rapide. Du manoir, c'est très grand. Il y a des chambres partout et il commence à pleuvoir. Il doit être 14h. Ils sont en train de faire un barbecue. Vous voyez, on a des chambres partout. Partout, couloir. C'est dans son jus. Oh, la superficie, c'est fou. Oh, mais c'est un hôtel le truc. Encore une. Et là-bas, ok. Et il y a un grand salon aussi. Et il y a quelqu'un qui est... Je rentre doucement parce que on ne sait jamais si quelqu'un squatte. Donc cette pièce avec ce piano, je voulais faire des photos. Ça fait vraiment manoir. Et pareil, ça s'étend vraiment très 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 long. Oh, j'aime beaucoup. Ah, mais attends, je vais faire une photo, je pense. En fait, je vous ai pas reprise. Ce midi, on est retourné là-bas. Et on est tous un peu crevés. On a mangé et moi, entre-temps, je suis revenue ici me reposer. On est parti faire des courses pour ce soir. Et nous voilà, il est 19h30, on va retourner dans la maison. Il a plu une bonne partie de l'après-midi. Du coup, bah, je pense que ce sera demain qu'on va aller à Royan. Ouais, c'est Royan où il y a la mer et Sainte, c'est la ville. Il n'y a pas la mer. Donc, nous y retournons. Et vous venez avec nous. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance parce que il y a de la musique tout le temps.
Mais le cadre est tellement joli. Il fait un peu frais, on a tous un petit petite veste, mais regardez-moi ça. Quand c'est en basse lumière, faut pas avancer vite.